À tous et à toutes. En tant qu'Africains, nous avons été forcés pendant des centenaires dans le paradigme culturel européen qui a redéfini tous les aspects de la pensée véritable négro-africaine. L'un de ces aspects est le totémisme, une pratique que nous connaissons aujourd'hui très mal et que nous comprenons à travers les définitions eurocentriques. La question d'aujourd'hui portera alors sur la réappropriation de ce qu'est le totémisme, l'un des composants les plus importants de la pensée africaine qui connecte les hommes, les esprits et la nature. Allons-y. Le totémisme est un concept faisant partie d'un vocabulaire dépréciatif utilisé par les Européens pendant la colonisation de l'Afrique, pour tout d'abord comprendre l'Afrique, puis pour l'expliquer au reste du monde. Selon le Larousse.fr, le mot dépréciatif réfère à ce qui rabaisse ou qui présente sous un jour défavorable ce qui est désigné. Toujours selon le Larousse.fr, le totémisme serait l'ensemble des croyances et des pratiques symboliques impliquant une relation entre l'individu ou les individus, d'une part, et un animal ou un objet ou des phénomènes d'autre part. Selon le dictionnaire l'internaute.fr, le totem est l'animal ou la plante considéré comme l'ancêtre ou comme le protecteur d'un individu ou d'une collectivité. Donc, en synthèse, le totémisme serait, selon le paradigme culturel européen, l'ensemble des croyances et des pratiques symboliques organisées dans certaines sociétés autour d'un animal ou d'une plante considéré comme l'ancêtre d'un individu ou d'un groupe d'individus. Maintenant que nous avons la définition eurocentrique du totémisme, la question est de savoir ce qu'est réellement le totémisme et quelle en serait une bonne définition. Car le totémisme, tel que défini par les Européens, est si superficiel qu'il n'englobe pas toute la richesse et toute la profondeur de ce système de pensée négro-africain, et je vais vous expliquer pourquoi. En Europe, le concept de totémisme a toujours demeuré dans la phase de construction, marquée par des tentatives successives de délimitation de ses contours définitifs. On peut même dire que le débat est né au moment où la recherche ethnographique sur le sujet fut présentée à la communauté anthropologique comme un véritable défi intellectuel à relever. Le concept avait donc été lancé par John McLennan en 1869 dans un article intitulé The Worship of Animals and Plants, qui se traduit en français par Le culte des animaux et des plantes, et plusieurs fois repris par la première génération d'anthropologues évolutionnistes britanniques au cours des années 1870 et 1880, parmi lesquels Edward Tyler, leur principal représentant. Néanmoins, le véritable texte fondateur du débat totémique en Europe est celui de James Fraser, dans un petit livre intitulé Totémisme, publié en 1887, dans lequel il affirme, je cite, Un totem est une classe d'objets matériels que le sauvage considère avec un respect superstitieux, croyant qu'il existe entre lui et l'objet une relation intime et spéciale. Fin de citation. Ce livre fut publié pendant la colonisation de l'Afrique, une affaire dans laquelle les Européens se sont démarqués par leur vertu et leur excellence envers l'être humain. Donc, cette définition ne devrait étonner personne car elle montre clairement les préjugés de la pensée européenne de cette époque. Et puis, dans le champ vaste et diversifié des sciences, outre le fait que l'anthropologie ait fourni une quantité innombrable de modèles d'analyse différents, cela n'a pas empêché les intellectuels européens de classifier l'animisme, le fétichisme, le chamanisme ou encore le totémisme de religion primitive, de religion naturelle. Bref, en Europe, le débat sur le totémisme s'est, au fil du temps, épuisé et n'a connu aucun consensus définitif, sauf celui d'être classifié en tant que religion. Passons maintenant à notre point focal, le totémisme en Afrique noire.
Lorsque l'on observe les formes de culte clanique en Afrique, il se dégage deux formes différentes de ce que l'on désigne communément comme le totémisme. La première forme est un système de croyances et de pratiques rituelles étroitement associé au culte des ancêtres dans des sociétés dépourvues d'institutions centralisées. C'est le cas par exemple chez les Nuer et les Dinka du Soudan et les Talensi du nord du Ghana. La deuxième forme est un système de fonctions rituelles pratiquées par différents clans et liées entre elles dans une organisation politique et rituelle dont le roi et le palais représentent le centre. C'est le cas chez les Chilouk du Haut-Nil, les Mundang du Tchad et les Ganda de l'Ouganda. Prenons un exemple concret en nous intéressant au peuple Dinka et au peuple Nuer. Pourquoi les Dinka et les Nuer? Pour deux raisons. Premièrement, parce que parmi tous les peuples africains actuels, les Dinka et les Nuer, les Dinka Nuer, sont les plus proches culturellement des populations que l'on nomme aujourd'hui les Nubiens. Et deuxièmement, parce que c'est à partir de la Nubie que toutes les formes de civilisation et de spiritualité moderne sont apparues. Ainsi, il existe chez les Dinka Nuer le mot Kwaf, qui signifie esprit, que j'écris ici avec une majuscule pour indiquer le plus haut degré d'abstraction dans l'ordre des puissances avec lesquelles l'homme est en prise. Je parle ici de l'universalité, de l'unicité, de la suprématie et de la souveraineté exercée sur la totalité des êtres, dans le ciel comme sur la terre. Concrètement, il s'agit d'un mot dont l'équivalent est créateur, un terme auquel correspondent les prédicats suivants: créateur de toutes choses, de tous les humains et juge de toutes leurs actions. Chez les Dinka Nuer, ce même mot sert également à désigner les deux catégories d'esprits qui existent, les esprits d'en haut, esprits de l'air et esprits qui se manifestent à certaines personnes par la possession du corps, et les esprits d'en bas, dont font partie les espèces et les objets totémiques. Si l'on comprend immédiatement pourquoi les esprits de l'air sont dits d'en haut, qu'en est-il de ceux d'en bas? Sont-ils des esprits de terre? Évidemment non, puisqu'en vertu de leur essence divine, tous les esprits sont d'en haut, c'est-à-dire de nature céleste. En fait, en Afrique noire, les esprits sont comme des puissances rangés sur une échelle descendante dont les degrés inférieurs comportent les esprits totémiques. Le totémisme n'est donc pas une classification religieuse, mais plutôt une catégorie dans une classification ordonnée et hiérarchisée d'esprits. Tout d'abord, un clan peut avoir plusieurs totems et le rapport qui existe entre le clan et son totem est le plus souvent pensé comme un lien de gémilité. Prenons un exemple concret. Les Dinka Nuer affirment qu'une femme peut mettre au monde une paire de jumeaux, dont l'un ressemble à un hippopotame, par exemple, et l'autre à un bébé humain normal. Dans quel cas, le nouveau-né humain animal sera placé dans l'eau d'une rivière, tandis que le nouveau-né humain normal sera déposé dans un arbre. Pourquoi? La réponse la plus courante chez les Dinka Nuer est que le mari de la femme qui a accouché des jumeaux a sûrement tué plusieurs hippopotames et leurs congénères se sont vengés en imprimant leur image sur l'un des jumeaux. Cette ressemblance est donc la révélation de l'espèce qui a été élue en tant que totem pour le groupe au sein duquel une telle naissance a eu lieu. Le monstrueux nouveau-né, anormal, précise-t-on, est donc ici décrit comme la preuve évidente de l'action de l'esprit hippopotame. Cela étant, quelle que soit la manière dont un totem se retrouve associé à un groupe, le lien formé entre le groupe et le totem est aussi conçu comme un rapport de protection. Je me suis retrouvée dans mon village paternel et je sentais une présence, quelque chose qui me suivait. Quand je me suis retournée pour voir ce qui me suivait, puisque ça me suivait partout, quand je dors, je sens, quand je me lève, quand je marche, je sentais cette présence-là. Et quand je me retourne, je vois rien, ça disparaît dans les buissons. Donc, une fois, je me suis retournée. Et je l'ai aperçu.
Je l'ai surpris, quoi. Et j'ai vu que c'était un gros boa. Un gros boa de couleur vert-bleu. Il avait deux couleurs, vert-bleu. Et je trouvais ça bizarre parce que je n'avais jamais vu un boa d'une telle couleur. Donc, il m'accompagnait partout. Donc, moi, j'ai eu peur et je lui ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi tu m'accompagnes comme ça? Pourquoi tu me suis comme ça? En tant que tu sais que c'est pas normal, ça me fait un peu peur aussi. Donc, le boa m'a dit que je suis là pour te protéger, pour assurer tes arrières. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que ma couverture avait la même couleur que le boa que j'ai vu dans mon rêve. Et j'ai comme senti même cette même présence-là encore, genre sous mon lit, mais je n'ai pas osé regarder. Pour rappel, le boa, c'est notre totem, notre animal totem dans notre famille paternelle. Ou comme un rapport entre lignages collatéraux, parce que, comme les humains, les Dinkanuer affirment que les animaux vivent aussi dans leur village, constitué de communautés composées de familles et de lignées. Vous savez, la maison des lobbies, là, on monte en haut. Quand il fait chaud, il y a le niveau, quoi, on monte à l'étage. Donc, ils sont montés là-bas avec la grand-mère et les autres. Ils sont tous montés en haut pour étaler les nattes et puis ils ont dormi là-bas. Maintenant, en entrant la nuit, elle s'est réveillée. Elle a senti comme si elle était dans les bras de quelqu'un, comme si on l'avait pris dans ses bras, quoi. Maintenant, quand elle a voulu tourner, se lever, bon, avec clair de lune aidant, elle a vu qu'en fait, elle était enroulée. Il y avait deux gros serpents qui étaient là et qui les avaient entourés, elle et sa petite sœur. Les avaient enroulés, c'est comme s'ils les avaient pris dans leurs bras, quoi. Elle a crié. Quand elle a crié, tout le monde s'est levé. La grand-mère s'est levée. Elle a son grand étonnement. La grand-mère n'était pas du tout étonnée et elle n'avait pas du tout peur. Et les enfants qui étaient là, tout le monde avait peur. Mais la grand-mère, elle leur a dit non de se calmer. Et elle est descendue. Comme ils étaient en niveau, elle est descendue. Et elle a pris une calebasse. Et elle a mis de la cendre dedans. Et elle est montée. La grand-mère s'est accroupie en signe de respect. Et elle a enlevé la cendre, l'a versée au sol. Et elle a parlé au serpent, là, comme on parle à un être humain. Elle a parlé en lobby, mais en substance, ce qu'elle a voulu dire, c'est que je sais que vous voulez voir vos enfants. Ce sont vos petits-enfants. Vous les aimez. Et comme ils sont loin, vous n'avez pas accès à eux. Comme ils sont là, vous voulez les tenir un peu dans vos bras. Mais ces enfants-là, ils ne vous connaissent pas. Et comme ils ne vous connaissent pas, là, ils ont peur. Et là, il ne fait pas encore jour. Donc, elle leur a demandé de partir pour qu'ils puissent dormir parce qu'il ne fait pas encore jour. Et elle a parlé comme ça, comme on parle normalement à un être humain. Et à notre grande surprise, les deux serpents-là se sont déroulés tranquillement. Partie, descendre. Et la grand-mère, elle nous a dit, couchez-vous et puis dormez. En définitive, un totem est la représentation physique du lien de gémellité qui lie un individu à une espèce animale, végétale ou élémentale. Donc, maintenant, la question à se poser est celle-ci. Pourquoi un tel lien est apparu dans les sociétés négro-africaines? Je vais maintenant vous présenter un aspect très important du totémisme que l'on ne met jamais en avant, malgré le fait qu'il démontre de l'ancienneté et de la sagesse de la pensée africaine. L'aspect dont je parle est l'écologie et la protection de la nature, qui démontre que les civilisations africaines avaient déjà pensé à tout dans leur rapport avec la nature et le monde, et que la colonisation, censée apporter le progrès,
a tout simplement détruit un progrès qui existait déjà. Ainsi donc, le totémisme est le précurseur de ce que les Européens appellent aujourd'hui l'écologie et la protection de la nature. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, quelques définitions. Qu'est-ce que l'écologie et qu'est-ce que la protection de la nature? Le mot écologie fut défini comme la science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur environnement. Cependant, à partir de 1960, l'écologie telle que nous l'envisageons aujourd'hui inclut la protection de la nature, c'est-à-dire une prise de conscience globale sur les effets néfastes des activités humaines sur la faune et sur la flore. Maintenant, observons attentivement le totémisme en Afrique noire. Il y a quelques minutes, nous avons parlé de la gémellité, c'est-à-dire le lien qui lie l'homme à un esprit. Voici un exemple. Chez les Dinka Nuer, le totem des jumeaux est un oiseau. Les jumeaux sont dans l'obligation de respecter les oiseaux et il leur est même strictement interdit de les chasser, aussi bien que de manger leurs œufs. C'est ce qu'on appelle un interdit totémique. Et si l'un des jumeaux meurt en bas âge, l'on dira de lui ou d'elle qu'il s'est envolé et l'on placera son corps dans un panier que l'on déposera dans un arbre où séjournent des oiseaux. Les jumeaux sont donc des oiseaux et les oiseaux sont leurs ancêtres. Prenons un autre exemple. Chez les Dinka Nuer, il existe des clans et des lignages qui ont pour totem des cours d'eau, des rivières et des fleuves. Les membres de ce lignage ont l'obligation de protéger ces rivières et ces cours d'eau des campagnes de pêche intempestives et hors saisonnières. Ils ont également le devoir de connaître tous les secrets de leur totem, leur structure, leur profondeur, la qualité des eaux, leur température, leur crue, leur régime sédimentaire, etc. Les plaçant de facto comme protecteurs de leur totem, en leur donnant l'autorité d'empêcher la surexploitation des cours d'eau et leur pollution. Aussi, dans les clans où les lignages ont pour totem le crocodile, par exemple, les membres du clan doivent naturellement faire des invocations et des rites pour que les représentants de l'espèce éponyme, c'est-à-dire l'espèce dont ils tirent leur nom, qui infeste les cours d'eau et les rivières, se montrent inoffensives vis-à-vis des personnes autres que ceux du clan qui y pêchent ou qui veulent traverser les cours d'eau. Quelles sont les conséquences d'un tel système? Les conséquences sont les suivantes. Tout d'abord, le rituel que chaque segment de la société entretient avec son esprit totem, animal, végétal ou cours d'eau, préserve la nature pour le bienfait de tous les membres de la société. Ensuite, l'interdit totémique empêche les individus de consommer l'animal ou la plante totémique qui leur est assignée. En réalité, de manière terre à terre, l'interdit totémique empêche un groupe social d'emmener un animal ou une plante à son extinction et à sa disparition, car il y a des membres du groupe social qui ne peuvent consommer de cet animal ou de cette plante. Et par cette interdiction, il diminue les pressions exercées sur la plante et sur l'animal en question, les permettant ainsi de toujours se reproduire et de maintenir leur nombre. Et même si les autres membres du groupe social peuvent consommer ce totem, n'oublions pas qu'ils ont eux-mêmes leur propre totem qu'ils ne peuvent consommer sous aucun prétexte. En plus, le lien de gémellité dont j'ai parlé tout à l'heure demande à ce que les clans connaissent tous les secrets de leur totem, c'est-à-dire de les étudier, de les observer, de les comprendre, de les nourrir, de les soigner, de les inviter chez soi, de discuter avec eux, les forçant ainsi à non seulement adopter une approche scientifique envers leur totem, donc d'en connaître tous les secrets, mais aussi d'apprendre à les protéger, en créant un lien fort et étroit entre eux et leur totem. Donc, l'interdit totémique, ainsi que les rituels que chaque segment de la société entretient avec son esprit totem, les maintiennent dans une boucle écologique continue et sans fin, où les actions des uns sont compensées ou renforcées par les actions des autres, permettant ainsi de protéger l'homme, la nature et la connexion qui existe entre les deux. Et ça existait déjà en Afrique depuis des milliers d'années. Parcours
Partout en Afrique, le crocodile du Nil peut se montrer très agressif et s'attaquer à l'homme. Mais ici, curieusement, il vit en parfaite harmonie avec les dogons. La légende raconte qu'un jour, un crocodile a aidé un adulte à traverser une rivière en crue. Depuis, les dogons pensent que cet animal représente leur double. Lorsqu'un enfant naît, un crocodile naît peu de temps après. Kombotai est le chaman de Damasongo, son guide spirituel. Il veille en permanence sur les reptiles. On doit nourrir les crocodiles, mais surtout les protéger. Il est interdit de les tuer sous peine de grands malheurs. En conclusion, le totémisme est une classification ordonnée et hiérarchisée d'esprits qui demandent le respect de la nature et de ses représentants en faisant d'eux nos ancêtres, c'est-à-dire des membres de nos familles. Nous connectons ainsi directement à la nature et nous permettons de ne faire qu'un avec elle. En plus, l'interdiction de tuer ou de manger son totem, un tabou sur une longue liste de tabous, fait du totémisme un système écologique et de protection de la nature qui existait des milliers d'années avant 1960, l'année où les Européens découvrent enfin l'écologie, faisant ainsi des populations africaines les premiers et les protecteurs originels et naturels de la faune et de la flore de la planète Terre. Pour être tout à fait franc, les colonisateurs arabisés et européens ont non seulement détruit l'Afrique, mais aussi ont mis en retard le reste du monde, qui n'a pu profiter des avancées intellectuelles, humaines et scientifiques que l'Afrique avait à offrir. Et cela fut suivi par l'exploitation de l'Afrique afin de tirer profit de ses secrets et bien évidemment, tout ce qu'ils n'ont pu expliquer ou qu'ils n'ont pu comprendre ont tout simplement été jetés dans les oubliettes ou classifiés de païens, de primitifs, de sauvages ou attribués à d'autres peuples et même à des extraterrestres. Et donc, disons-le haut et fort, la destruction de la nature, l'exploitation de la flore et l'extinction de certaines espèces animales ne font pas partie de la fabrique culturelle des civilisations négro-africaines. Tout ça, ce sont des conséquences de la présence des populations locodermes sur Terre. Cependant, nous voici aujourd'hui noirs africains, étrangers de notre propre histoire et ignorants de nos propres accomplissements, se rattachant à tel organisme de protection de la nature ou à tel autre organisme mondial de ceci ou de cela, parce que nous sommes incapables de reconnaître les forces qui existent déjà dans nos propres cultures. Je m'appelle Citoyen Thomas. Merci pour votre participation et votre contribution. Si vous pensez que ce que nous faisons est important, n'hésitez pas à partager ce message. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Laissez-nous un commentaire. Je vous souhaite le meilleur et à la prochaine.